Hello YouTube, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous prends en vlog, un vlog classique. Nous sommes vendredi, il est 16h, je viens de finir le boulot. Et je suis en télétravail parce que Clara a été confinée pendant une semaine. En plus, il y a eu un cas positif dans sa classe. Et du coup, ben voilà, je suis retournée le temps des confinements, je suis retournée en télétravail. Et je reprends lundi au bureau. Voilà, je suis trop contente, je ne supporte pas d'être à la maison. Et donc voilà, donc c'est les fêtes de la Mercé, c'est les fêtes de la ville, il y a des concerts, des choses un peu partout dans la ville. Donc j'ai décidé de faire un vlog et de vous montrer à peu près les activités et les choses qu'on va faire. Je ne sais pas si ça sera... Ok Gabou, je ne sais pas si ça sera sur une journée ou sur plusieurs jours. En tout cas, là, je vais me préparer, je vais me lisser les cheveux, me faire un peu pas mal présentable pour cette soirée. Voilà, je me suis rayé les cheveux, je ne suis pas tout à fait prête, de toute façon c'est vers 7h30, il est 4h30. Je vais manger une petite pomme, j'en profite pour vous dire que depuis que je suis revenue de vacances, c'est-à-dire depuis le 7 septembre, non le depuis le 6 septembre, je fais la diète. Et voilà, donc j'ai principalement levé le pain, les pâtes, le riz, et voilà, je mange des légumes et voilà, et des protéines. Et j'ai déjà perdu comme 2,5 kg, 3 kg. Voilà, je suis contente, ça va. Et donc voilà. On va pique-niquer dans un... Ce soir, on va voir un concert. Ah, j'arrive. Dans un concert... C'est un concert ou un spectacle qu'on va voir ce soir? Un concert. Non, c'est ça, pardon. Bon, Nicolas nous fait des empanadas pour ce soir. Et voilà, on va aller au parc de la Ciudadela et il y a des concerts, des spectacles, etc. Et on va en profiter pour pique-niquer, donc voilà, ça va être très sympa. Je profite de ce vlog pour vous remercier pour tous les commentaires et likes que vous m'avez mis sous ma vidéo décoration, enfin de la rénovation de l'appartement. Parce que voilà, ça fait plaisir quoi. Vous me dites que ouais, je suis douée pour la déco, etc. Donc ça me fait plaisir, ça me flatte. Donc vraiment merci. Sous la vidéo Lookiello aussi, vous avez été super nombreuses à laisser des commentaires, donc ça fait vraiment plaisir. Et du coup j'en profite pour vous dire des petites choses de ma chaîne sur YouTube. J'avais choisi dès le départ de pas monétiser ma chaîne, qu'elle me rapporte, voilà, qu'elle ne me rapporte rien, pas monétiser parce que voilà, je trouvais que les pubs voilà, je ne suis pas forcément pour, et puis en plus, ça, voilà, je me disais, je suis qui moi pour mettre de la pub sur mes vidéos, etc. Après, ça m'a trotté, je me suis dit, tiens, je vais peut-être mettre de la pub, et si ça pouvait me rapporter un petit peu de un petit quelque chose pour un peu le matériel, pour aussi le temps que je passe à faire les vidéos, etc. Il y a un moment où je voyais pas de contrepartie quoi. Je faisais ça, je prends des temps dans ma soirée, dans la semaine, etc. Et au final, je voyais pas de contrepartie. Et puis j'ai oublié l'idée. Et puis là, dernièrement, en visionnant mes vidéos, je vois qu'il y a de la pub, mais pratiquement tout le temps. Tout le temps, il y a une pub au milieu. Il y a... Donc j'appelle ma mère, je fais « Maman, tu as de la pub sur mes vidéos, etc. » Elle visionne, elle me dit ah, effectivement j'ai eu une pub. Et moi je revisionne mes vidéos et je vois de la pub. Donc je me dis mince, c'est dingue, je fais purée, YouTube se prend la thune, enfin moi j'ai jamais donné l'accord, etc. Donc je me dis bah, tant qu'à faire, autant que ce soit moi qui prenne l'argent,
Et donc, je vais dans les conditions YouTube pour monétiser les vidéos. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il faut avoir plus de 1000 abonnés. Donc ça faisait longtemps que je les avais, hein. J'aurais pu monétiser ma chaîne, hein. De toute façon, plus on attend et plus les conditions sont difficiles, plus ils sont exigeants. Et je vois qu'il faut avoir plus de 4000 heures de visionnage, mais par an. Donc là, je ne remplis pas les conditions. Donc, non seulement j'ai un peu les boules parce que ça faisait longtemps que je remplissais les conditions d'avant et à ce moment-là, je n'avais pas pensé à monétiser. Au moment où je pense à monétiser, parce que YouTube met de la pub sur mes vidéos et qu'ils se prennent eux la thune, je ne peux plus parce qu'ils ont été beaucoup plus exigeants. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que ben, j'ai un peu les boules parce que il y a des gens qui ont un peu plus de 1000 abonnés, qui n'ont pas forcément toutes ces heures de visionnage et qui ramassent la thune, mais parce qu'ils l'ont fait au moment voulu, enfin où ils ont pu. Si moi j'aurais pu le faire aussi, mais je ne l'ai pas fait. Vous dire aussi que quand vous voyez de la pub sur des vidéos, ça ne veut pas forcément dire que les gens prennent de l'argent et monétisent, parce que moi je ne prends rien et c'est YouTube qui prend la thune. Que si vous voulez m'aider, je suis à peu près à 3000 heures, là on va dire, il me reste 1000 heures, mais que je dois 1000 heures de visionnage jusqu'à la fin de l'année. Que si vous voulez m'aider et mettre en boucle mes vidéos quelque part, comme ça, que ça tourne, ben, ça me fera des heures et peut-être. Moi, j'ai rien contre. Enfin, je veux dire, ou je décide de ne pas monétiser et de ne pas mettre de pub sur mes vidéos, ou je décide de le faire et ça me rapporte un peu quelque chose. Mais là, c'est carrément, c'est YouTube qui a décidé de mettre des pubs sur mes vidéos et qui se prend la thune, quoi. Moi, je prends rien. Donc, si vous voulez m'aider, ben voilà, visionnez, vous le mettez en boucle, et puis voilà. Et puis voilà, je voulais vous dire ça, qu'effectivement, des fois, on peut voir de la pub et les gens n'ont pas forcément monétisé leur chaîne. Et voilà. Donc, je voulais vous faire un petit point sur ça. Justement, n'hésitez pas à me dire si vous avez de la pub sur mes vidéos. Et voilà quoi, faites-moi un retour sur ça.
retrouve pour un look du jour. Les fêtes de la Mercé continuent. On est samedi. On va aller se promener dans la ville. On a un concert de prévu ou de la danse. Je crois que c'est de la danse aujourd'hui. Je vous montre le look du jour. Donc, la chemise que j'avais eue dans le look yellow. Je l'ai mis avec un petit jean blanc. Et je voulais vous montrer ce sac que je viens d'acheter chez Mango. Donc, il coûtait, attends ma grande, il coûtait 39,95 €. Et puis, je sais pas, dans mon compte Mango, j'avais une petite réduction. Du coup, je l'ai eu à 36 €. Et voilà, j'avais besoin d'un sac marron un peu grand pour prendre les choses pour les enfants, etc. Il est en daim. Et voilà, je refais petit à petit ma garde-robe. J'avais besoin d'un sac marron pour aller avec ma gabardine aussi. Attendez, elle est là. Voilà, je pourrais la mettre avec ma gabardine. Ça se marie super bien pour un look d'automne. Voilà, donc je vais essayer de refaire à petit prix ma garde-robe. Là, j'ai besoin, enfin, je veux absolument pour le mois d'octobre. Vous voyez, ça va bien, c'est vraiment un look d'automne. Pour le mois d'octobre, je veux absolument un perfecto que j'ai vu chez Mango. Il coûte 100 € et il n'était pas prévu dans mon budget d'octobre. Parce qu'octobre, c'est le mois là où on a le plus de charges, puisque là, tout démarre, les activités des enfants, les matricules. C'est un mois très très chargé et je dois absolument m'acheter, parce que un perfecto, voilà, c'est de demi-saison, je vais pas le mettre en hiver, donc je peux pas me permettre de l'acheter en novembre. Il faut que je l'aie maintenant. Donc je vais justement à l'association des parents, là je vais demander qu'ils me payent en plusieurs fois. Enfin, je vais me débrouiller pour sortir 100 € pour acheter ce perfecto. Voilà, et voilà, en ce moment je refais un peu ma garde-robe. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce petit sac à 39 € chez Mango. Donc on va faire le changement de sac. Moi j'ai horreur de faire ça, c'est pour ça que je change jamais beaucoup de sacs. Je sais pas, une grosse flemme de faire ça. Donc il y a une petite poche à l'intérieur, mais je vais mettre comme ça. Alors il va me falloir du temps avant de me repérer dans ce sac, évidemment. Tiens, là je vais mettre les papiers. Je vais mettre une autre pochette. Les clés, je vais les mettre là. Ouais, j'ai pas grand chose. Hein. Du paracétamol. Les porte-bonheurs des filles. Voilà, les filles, quand elles me trouvent des pierres, des trucs. Voilà. Alors, du coup, comme je suis superstitieuse, je les garde. Parce que je me dis si je les jette, non. Elles m'ont dit que ça portait bonheur. Moi, je les garde. Tu te rappelles de ça, Lou? Regarde, tu avais trouvé ça, tu me l'avais donné. Donc, maman, elle le garde. Ah ben non, 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 non. Tu m'as dit que ça portait bonheur. Non, 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 non. Mais c'est moi que je... Alors, je vais mettre là-dedans. Non, la prendre, c'est la que tu veux. Non, 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 je veux pas faire la tour. Bon, j'ai dû changer de place parce que les filles, elles ne me laissaient pas tranquille. Elles voulaient me reprendre la pierre là, mais j'ai pas voulu parce que comme je suis superstitieuse, je me dis si elle la reprend, ça va me porter malheur. Du paracétamol qui est dans un état pas possible, une petite recharge de mon parfum libre de Yves Saint Laurent, et là des petits mots, voilà, que j'écris. Voilà, donc tout ce petit bazar. Il y avait une poche beaucoup plus petite dans l'autre sac, donc je le mettais dans la poche. Tout ce petit bazar, je vais le mettre là. Petit bazar que la plupart du temps j'ai pas besoin, évidemment. Et donc voilà. Donc plus ou moins, est-ce que je vais réussir à me repérer dans ce sac? Les clés, il faudrait que je les mette aussi dans une autre poche. Que comme ça, je vais mettre 3 heures. Là, j'ai mes papiers et j'ai les clés du boulot. Ouais, je sais pas. Donc voilà ce que ça donne. Moi, je le trouve très sympa. J'avais vraiment envie d'un... Ah, j'ai même une autre poche là. Je vais enlever l'étiquette. Je suis contente de retrouver un grand sac parce que... je peux mettre plus de choses, donc je vais pouvoir mettre sans problème mon étui à lunettes. Et du coup, je voulais vous dire que ma vue a baissé brutalement depuis le confinement. Donc je pense que c'est le cumul de beaucoup d'écrans. Je suis toute la journée au boulot devant un écran, et voilà,
puis l'âge. Et du coup, j'ai mal aux yeux. J'ai mal aux yeux le matin quand je me lève. Ma vue est trouble, etc. Et j'ai mal aux yeux le soir. Et voilà. Et je vois bien que pour stabiliser ma vue, j'ai besoin vraiment d'éloigner ce que je dois lire. Alors, je n'y connais pas du tout parce que j'ai jamais eu de problème de vue. J'ai toujours eu une vue impeccable. Donc, vous dire que je vais aller chez l'ophtalmo et puis voilà, bientôt vous allez me voir avec des lunettes. Donc voilà pour la petite nouvelle. Et même si j'ai pas de problème de vue, ce dont je doute quand même, je prendrai des lunettes de repos parce que vraiment j'ai mal aux yeux. Mal aux yeux. Mal aux yeux, mal aux yeux, mal aux yeux. Vous dire aussi que j'hésite beaucoup encore à me faire rousse et tout. Finalement, je trouve ça très joli, les mèches blanches, les cheveux blancs. Je trouve que j'ai plus envie de mettre mon argent dans de la qualité de produit, dans un soin Botox ou dans un soin à la kératine pour avoir des cheveux hydratés et brillants. J'ai plus envie de mettre ma thune là-dedans que dans des mèches ou des couleurs qu'il va falloir y aller chaque mois, quoi. Mais je trouve pas ça moche. Voilà. Allez, ben on est prêt, on est parti là.